Kate Middleton est allée à la rencontre des joueurs de l'équipe nationale de rugby à cette occasion. La princesse de Galles portait une tenue symbolique en effet, son manteau faisait écho à un look de Lady Diana. Kate Middleton est très impliquée dans la promotion du rugby en Angleterre. En effet, après avoir soutenu l'équipe nationale contre le pays de Galles lors du tournoi à destination, la princesse de Galles a voulu féliciter son équipe. Elle a ainsi pris la pose devant les photographes. Et sa tenue a encore fait mouche. En effet, si elle est encore très élégante, si est surtout son clin d'œil appuyé à Lady Diana qui a fait parler. Kate Middleton porterait un manteau en pied de poule blanc et rouge de la maison Catherine Walker. Ce vêtement ressemble énormément à un costume Moschino porté par la princesse Diana. En 1990, la mère des princes William et Harry portait pour le baptême de la princesse Eugénie, un ensemble composé d'un blazer rouge et blanc et une jupe noire et blanche. Un joli hommage pour cette belle-mère qu'elle n'a jamais connue. Kate Middleton a par la suite rendu visite aux joueurs dans les vestiaires, avec son époux le prince William. Le couple aurait alors discuté de leurs enfants, qui adorent d'ailleurs le rugby. Avant la rencontre, le prince et la princesse ont rencontré plusieurs joueurs qui ont été blessés. Kate Middleton se confie au sujet de ses enfants. Kate Middleton a également raconté une petite anecdote amusante au sujet de son fils, le prince George. En effet, elle a indiqué qu'il n'hésitait pas à tacler son père lorsque les deux jouent au rugby sans contact. Ils essaient de lui apprendre les règles. Il les déplace pour leur confiance. Parce qu'il est grand, il a le physique. Mais il y a Louis qui arrive. Charlotte fait aussi du rugby. Des confidences touchantes pour cette maman qui supporte énormément son équipe nationale. En février 2022, elle a même été nommée par la reine Elisabeth II marraine de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League en Angleterre.